Donc je reviens sur mon histoire. Et, imagine, je te parlais de 5 heures du matin. Ouais. Donc je me recouche ce matin, 5 heures du matin. Et pour te dire qu'il ne travaille pas en mafia du tout, hein, pas du tout, hein. Vers 5 heures du matin, 6 heures du matin par là. Et une camionnette, vraisemblablement un porte-voiture. Une deuxième camionnette, un porte-voiture. Un petit camion, hein, le porte-voiture, mais le petit camion. Il y avait au moins trois ou quatre porte-voitures. Trois ou quatre voitures. Mais putain, les gendarmes, ils sont pas venus. Merde, ils sont pas venus le virer. Et ben voilà. Hein, ce qui veut dire que ce qu'a fait Madame le maire, c'est totalement illégal. Mais comme par hasard, ils sont pas tous en bande organisée. Hein, devant chez moi, entre 5 et 6 heures du matin, entre 5 et 7 heures du matin, j'avais trois ou quatre véhicules, des porte-voitures, et ci et ça, l'autre. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Respecter les droits de l'homme. D'autant plus que là, je reviens à toi pour faire encore une autre plainte contre Madame le maire, pour sa gestion de la crise du Covid. Voilà, moi, je vous explique, on m'a proposé d'être référent au Secours populaire. Super. Moi, donc, parce qu'il n'y a plus de Restos du Cœur, hein, mort de Bretagne, suite à une histoire de personne entre les Restos du Cœur et puis l'ancien responsable des Restos du Cœur. Il y a eu des problèmes et ils ne se sont pas entendus, ils ont fermé les Restos du Cœur. Moi, étant au RSA, c'était un peu compliqué d'aller à guerre ou machin. Donc là, et puis c'est encore plus compliqué maintenant que je suis à vélo, que j'ai perdu les clés de ma voiture. Donc, moi, pourquoi je dis ça? Tout simplement, mais Madame le maire, comme le maire de Maure-de-Bretagne, sont donc représentants du peuple. Ils sont élus pour le bien du peuple. Donc, face à l'inaction de ces deux personnages, face aux démunis, je suis en droit de porter plainte contre le maire de Maure-de-Bretagne et le maire de Saint-Séguin pour leur inaction en cette période de crise du Covid, de ne pas avoir trouvé une substitution au Resto du Cœur au niveau local, avoir de fait une requête auprès de Madame le maire de Saint-Séguin pour pouvoir éventuellement avoir un local, sachant que la salle communale des fêtes est inoccupée, inutilisée, alors qu'elle pourrait être utilisée qu'une journée par semaine pour faire de la distribution alimentaire, qu'il y a, je crois, suffisamment de choses pour qu'on puisse stocker les aliments nécessaires à nourrir les pauvres au niveau local. Donc, face à ce refus des gens pauvres, je porte plainte face à Madame le maire pour non-assistance aux plus démunis, pour une simple raison. Madame le maire peut, sur simple demande, demander à la banque alimentaire, en fonction du nombre d'administrés de sa commune, de recevoir des colis. Madame le maire ne s'est pas donné la peine de faire ça, vu qu'elle a la structure pour recevoir. Donc, face à cette inaction, je suis en droit de porter plainte et je porterai plainte contre cette dame pour inaction face aux démunis. Non-respect des droits de l'homme, parce que,
aider son prochain, ça fait partie des droits de l'homme, et non-respect de la religion catholique. La charité et non-respect de la charité chrétienne. Elle est en devoir vis-à-vis de Dieu de respecter les plus pauvres. Et cette dame ne veut même pas s'en donner la peine. J'ai honte pour elle.